Salut tout le monde, on est le 21 janvier 2023, une semaine après le match remporté contre la Madeleine. Il est 18h30, H-2, et on est avec le meneur titulaire de la SCADA Basket. Et avec le deuxième meneur titulaire de la SCADA Basket, mais d'une autre équipe. Pas de match ce soir? Bon, bah, peut-être un mot avant. Bonne soirée. Est-ce que après tu peux me faire juste le truc, la vidéo seule en disant lâche un like et mets la cloche. Lâche un like et mets la cloche. Abonne-toi ici. Active les notifications. Apparemment tu peux le faire ça, mais je suis pas chier. Bon, bah allez. Bonne soirée. Mon cœur. Tu peux bon au revoir à la caméra quand même. Mec, les gens. Ok, allez. Alors que malheureusement je ne serai pas là ce soir pour le match, je vais devoir déléguer à mon équipe technique, dont ce grand gaillard. Juste avant qu'on rentre dans le gymnase, Lamboisière, un partout. Ouais, ils ont gagné 30 pions la semaine dernière à domicile. Ouais. Chez eux, c'est le tarif, c'est mettre 100 points de toute façon. À l'extérieur, ils ont un peu plus de mal. C'est chez nous. Donc là, le topo, c'est la Chapelle deuxième actuellement et Lamboisière premier avec un meilleur point d'avérage. Donc le vainqueur de ce soir sera premier de la poule. Ouais. Bah, double confrontation, première phase très dure et physique. Beaucoup d'embrouilles sur le terrain. Donc ça va être un match tendu, à mon avis. Mais... Ouais, il y a un passif. Il y a un passif, mon pote. C'est pour les inside. Ouais. Oui. Ça c'est dire abonnez-vous ça. Oui, abonnez-vous. Directement. Direct. Prêt pour le match. Un gros bisou. À Victor. Il y aura un 3 points pour moi dans ce match. Par contre, c'est bien. Ouais, parce que je suis pas là. Bon, bisous les gars, j'espère qu'on va gagner et puis bah, merci à Victor. Et kiffez la vidéo les gars. Vous pouvez me prévoir une célébration? Ouais, je te fais une petite dédicace. Si j'ai remarqué, je te fais une petite dédicace. Comme ça. Comme ça. Levez la victoire. Et de la victoire. Au revoir. Fabi. Il est pas peur. Excusez-moi. Ce soir, c'est ici que ça se passe. Salle des sports, gymnase de l'ASCA. Une ambiance bouillante. Un match à l'ASCA, c'est toujours magique. Mais ça allait encore plus quand c'est les deux premières équipes du championnat, le premier qui accueille le deuxième, le début, la deuxième phase. Et il y a des mots très durs qui sont sortis, c'est une des plus grosses rivalités du championnat. Des mots qui ont été sortis. On va rien leur laisser à ces enculés de la part de l'ASCA. Ils ne vont rien leur laisser, ils les attendent au tournant et tout le monde les attend au tournant. C'est parti pour un match comme ça. Enfilez vos couvre-chefs, préparez-vous. Et c'est maintenant parti sur le terrain de l'ASCA avec les chauffeurs. Allez, rapide. On doit mettre de l'intensité. L'intensité, je le répète, hein, mais depuis le départ de saison, c'est ce qui nous permet d'avancer, de mettre de l'intensité pendant tous les instants du match. Défensivement, offensivement, mettre de l'intensité. Maîtriser le tempo, j'insiste, ça fait 2 mois là-dessus, maîtriser le tempo, gestion des temps forts et surtout une maîtrise et une gestion des temps faibles. Ok, il y a des moments où on n'est pas dedans, on ne peut pas marquer de panier pour X raisons, ah, il faut qu'on soit bon dans ces moments-là. Très très bon. Et ce soir, le match-là, il faut qu'on gagne défensivement. D'accord? Si on se lance dans un run pour essayer de gagner le match offensivement, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Par contre, si on défend fort, si on les limite, on a le droit de faire tout ce qu'on veut d'acte. Ok? Solidarité, tout donner pendant 40 minutes. Et le leitmotiv, à vous. Amen, les gars! Ce qui veut dire un effectif au complet. On peut aussi constater un retour de Sam au coaching avec Franck.
premier match à domicile dans cette seconde phase avec l'objectif final qui est clairement de passer en tête, passer premier au leader finalement de cette division de Régional 2 pour pouvoir être plus serein à la suite. Allez. Oh là, c'est bien parce qu'on fait preuve de solidarité en défense. Maintenant, je pense qu'on rajoute ça en attaque. On se donne un petit peu plus le ballon. On a tendance à vouloir jouer une situation, notamment sur des situations de contre-attaque. Pendant ce temps-là, du côté de Max. C'est parti, on est à la mi-temps ici. 38-34, un match qui est à la hauteur des attentes. On est avec un des plus grands supporters de l'ASCA. Présentation. Manu. Le papa de Lucas. Le papa de Lucas. On en pense quoi de la première mi-temps de Lucas Dumont? Un peu timide, un peu de déception j'imagine. Le focus sur Lucas, ouais, je pense qu'il est un peu fatigué. Il a un gros coup de bol sur son 3 points. Ouais. Ça lui sauve un peu sa première mi-temps. Mais bon, il lâche pas en défense. Après, c'est un peu plus compliqué en attaque. Je pense que physiquement, c'est plus dur en attaque. De toute façon, il n'y a que du plus qui peut arriver dans cette deuxième période. Ouais, non, mais là, les gars, ils sont soudés en deuxième mi-temps, on descend. Ouais, on les sent bien. Ouais. Super interview, les supporters sont toujours au rendez-vous. Mais attention, parce qu'il y a un nom qu'on n'a pas oublié, qu'on n'a pas vu sur la feuille de match, c'est le numéro 38, Le Caire, Kerrville. Où est-il après une prestation faramineuse, une prestation historique d'une des plus grands, Steve Kerrville, le plus grand joueur de l'ASCA? Où est-il? Aucune nouvelle, aucune communication du club là-dessus. Même en étant fan de l'ASCA, j'ai envie de vous dire que ça me chagrine un peu. Après avoir vu tout ce qu'il a fait, on se demande où il est, on attend de le voir. À un seul endroit, c'est sur le parquet, avec des bras et des jambes aussi chaudes que contre la Madeleine. On va sur la deuxième mi-temps, c'est parti.
Le levé de la victoire. Défense maintenant. Il n'y a rien de fait. Défense les gars. Hein. Les gars, une seconde à jouer. On a une faute à donner. On peut changer sur les écrans. Juste pour garder. Ça va, je sens. Tous les autres, on peut changer sur les écrans. Attention à l'opposé. Hein. Écoutez, si ça sort, tous les ballons qui sortent, enfin tous les joueurs qui vont sortir comme ça là. À 3 points pour venir chercher éventuellement le ballon là, je veux que d'ici on fasse sauter. Sur le joueur. Ouais, mais non, on a le ballon, on met la main sur le ballon. Okay, on veut faire compte, on en a une à donner. Ça donne pas de lancer, c'est terminé. Ça c'est shoot. Hein. Si on monte ce ballon, on la fait pas. Par contre, si c'est ça, pas de faute là. Mais vous voyez, sur les écrans, changer. Allez les gars, allez. Attention sur la faute, ils vont monter les bras direct. Ouais. Attention sur ça. Ah, il rouge. Concentration. Allez les gars, ouais, c'est pas fini. Ça nous Let's go. Voilà. T'es pour qui? C'est ça. Merci la zone. Merci la zone. Il y a rien pour eux.